Alors, la salle ovale, déjà, la première chose à faire, c'est qu'on n'y voit plus grand-chose. C'est quand même très poussiéreux. Donc, la première chose du projet architectural, c'est tout simplement nettoyer, on pourrait dire. Et déjà retrouver le lustre de cette salle, redonner un peu de la coloration et un caractère un peu vivant à cette lumière. Et tout ça, on peut l'associer, on ne le voit pas, mais sur la couronne, vous voyez le nom des grandes capitales de l'histoire et de la culture, Babylone, Vienne, Thèbes, Rome, etc. Donc tous ces oculi sont associés aussi au nom d'une grande ville qui incarne à chaque fois un moment de la culture, un moment de l'histoire. Donc tout ça, il faut le redonner à voir, bien sûr. La salle ovale est conçue en 1886. Elle commence à être construite à partir de 1905. On reprend les travaux après la guerre et elle n'est inaugurée qu'en 1936. La salle est composée de 16 travées, hein, qui créent cette espèce de grand arc ovale qui viennent s'appuyer sur des demi-arcs. On est sous la demi-voûte annulaire qui couvre la salle et qui correspond à la scansion des gros poteaux-fonte qui portent les coursives et qui portent bien entendu la charpente qui est au-dessus de nous. On a décapé toutes ces peintures, on en a refait une petite partie, on a nettoyé les faïences qui étaient complètement grises. Là, toutes les tesselles de mosaïque ici étaient entièrement grises, il n'y avait plus de nuances, plus rien du tout. On a refait les parties qui étaient dorées parce que la salle, en fait, pour la dorure, elle était attaquée par la corrosion. On redécouvre ici dans l'ensemble de la salle, c'est le nom des villes avec les grandes bibliothèques. Vous avez Pékin, Alexandrie, Londres, qui sont indiquées dans des cartouches et qui marquent chaque travée de la salle. On a une première verrière qui est à l'intérieur et une grande verrière au-dessus qui apporte toute la lumière à travers les oculi et les plans de verre. Et on met du béton, on coule du béton. On est en 1920, on utilise le béton et le fer. Donc finalement, en 1936, la BNF a ouvert cette salle comme une salle de lecture des périodiques. Et cette fois-ci, avec le projet de rénovation, l'établissement a décidé d'en faire un lieu ouvert au public. Il y a trois fonds principaux. Il y a d'abord un fonds historique, des références incontournables, les grands dictionnaires par exemple, les bibliographies nationales. Donc ça, c'est nécessaire pour un site de bibliothèque. Un deuxième fonds qui correspond aux offres documentaires du site consacrées à l'histoire des arts, aux beaux livres, au patrimoine, mais à un niveau de vulgarisation. Hein, on ne veut pas remplacer les usuels des autres salles de recherche. Et un troisième fonds, ça c'est une vraie innovation, nous avons décidé de constituer une collection très importante de bandes dessinées. Il faudrait qu'on voit les couleurs Oui. pour faire des échantillons. En fait, quand on a fait nos essais, on a regardé en Perse des couleurs claires, des couleurs foncées. Il va y avoir beaucoup de lumière, peut-être que du clair au sol, c'est pas très bien. Et par contre, en périphérie, les problèmes, ce sera important. Au travers du travail sur la salle ovale, on a justement profité de ces quatre points cardinaux, parce que c'est nord, sud, ouest, est, pour mettre en relation le site avec ce cœur. Hein, voilà. Et donc on a créé des grandes baies vitrées de chaque côté qui donnent dans les salles de lecture, hein, ou dans des circulations, ou dans les expositions là-bas, ce qui fait qu'à la fois nous, quand on sera ici, on saura reconnaître les espaces
en regardant vers le haut, de même que quand on sera dans ces espaces, en regardant vers la salle ovale, on saura se repérer dans cette grande géographie qu'est le quadrilatère. Kevin, les contacteurs, c'est bon ? Alors, la grande nouveauté de cette rénovation est de repenser cette salle, non seulement du point de vue architectural, de l'aménagement, mais aussi, surtout, pour son usage. Nous avons finalement décidé d'en faire une salle ouverte à tout le public, sans limite d'âge, dont l'accès sera libre et gratuit. Le plan Turgot. L'intervention sur la salle ovale, en fait, ça a été la réorganisation de l'ensemble du fonctionnement de la salle. On a créé cette couronne-là pour créer un cœur de lecture et en périphérie, ce déambulatoire, en fait, est organisé par séquence et on découvre, en fait, peu à peu, les trésors des départements spécialisés qui sont aujourd'hui installés sur le site. Faire comprendre que cette bibliothèque, elle est polysémique dans le sens où de la recherche, des amateurs, un musée, des collections, voilà, des conférences, des lectures, enfin je veux dire, faire le lieu est aussi assez exceptionnel de ce point de vue-là parce qu'effectivement, il mixe des programmes et des usages. Donc c'est un peu le challenge du projet architectural. Donc le dessin d'architecture, il tente de régler cette question, d'apporter une réponse. C'est pour ça que tout le mobilier là, a été entièrement redessiné en fonction de cette ambition nouvelle pour le projet. Grâce à cet aménagement proposé par Godin, cette déambulation est dédiée aux visiteurs. Pour une fois, on va recevoir deux types de publics, des lecteurs et des visiteurs. Il y aura naturellement une cohabitation puisque la lecture demande le silence et la visite demande une liberté totale de déambulation. Voilà, vous voyez, c'est une nouvelle salle, c'est un nouvel espace dans le site qui est à la fois une salle de lecture mais aussi une salle de visite.